quelques instants de réflexion avec Monsieur le Bonheur, l'abbé Jean-Marie Brochu. S'il fallait toujours, en marchant, nous préoccuper de bien poser chaque pied l'un devant l'autre pour ne pas perdre l'équilibre, nous ne serions pas capables de penser en marchant parce que notre attention serait retenue ailleurs. Heureusement, dès le tout jeune âge, nous avons appris par des efforts progressifs et répétés, nous avons appris à marcher, d'abord péniblement, puis de plus en plus facilement, sans que nous n'ayons presque plus besoin d'y penser. Nous avons pris l'habitude de marcher. Jetons maintenant un coup d'œil sur une seule de nos journées, mes amis, et nous serons surpris de l'incroyable proportion d'actes que nous accomplissons par habitude. Depuis la cuillerée de sucre que vous mettez dans votre café, jusqu'à votre façon de composer le numéro de téléphone de votre ami, presque tout repose sur un ensemble d'habitudes. Nos tics, notre façon de rire ou de nous asseoir, de travailler ou de manger, tout est le résultat d'habitudes inconscientes ou bien donc volontairement acquises. Reste à nous demander quelles sont nos bonnes et quelles sont nos mauvaises habitudes. C'est ici que nous avons tous un bel examen de conscience à faire. Chacun est tellement porté à se trouver plus fin que les autres. Il y a certainement dans nos vies des actes que nous posons par habitude et qui ont le don d'énerver les autres. Si nous rencontrons chez le prochain de ces tics agaçants ou de ces manières de faire qui nous fatiguent, il serait bien surprenant que nous n'en ayons pas nous-mêmes. Mais il ne faut pas seulement être négatif, essayons de trouver nos bonnes habitudes afin de les améliorer si possible et peut-être d'en acquérir d'autres. C'est ainsi qu'on se perfectionne, mes amis. Mais pour ça, il faut prendre le temps de penser. Êtes-vous de ceux qui n'ont jamais le temps de réfléchir? Prendre le temps de vivre, vivre sa vie de temps en temps. Prendre le temps. OK, stay tuned, restez là, allez-vous-en pas, partez pas, je reviens samedi le 18 mars à midi. Charles Lebois à l'Olympia. CJMS, en collaboration avec La Presse, le plus grand quotidien français d'Amérique, présente l'enregistrement original du spectacle de Robert Charlebois à l'Olympia de Paris. Soyez à l'écoute de CJMS le samedi 18 mars, de midi à 13h. Dans quelques secondes, le monde d'aujourd'hui. Alors nous allons nous joindre au réseau Radio Mutuel afin de vous informer durant les 29 prochaines minutes. À minuit, votre choix musical, 790-0661, minuit 33, quitte au double. Et on vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. La météo, quelques chutes de neige légères au cours de la nuit. D'ailleurs, par intervalle, il y a quelques flocons de neige qui tombent déjà sur Montréal. Demain, mercredi, ciel variable, minimum la nuit prochaine de 20 degrés, un maximum pour demain de 30 à 35. Et pour jeudi, beau et doux. Présentement, c'est 29 rue Berry-Montréal. La guerre ouverte entre Camille Sanson et Armand Bois.